Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de partir au Cabaret Club. Je vais vous faire découvrir ce que c'est que ce lieu. Il faut que je me prépare quand même. Donc, je vais juste me mettre une petite choupette derrière les cheveux. On prend le sac, on prend les clés de la maison, on ferme tout. J'ai cru que j'allais tomber en panne. Alors il pleut, hein, je suis vraiment désolé, il paraît qu'on est dans le Finistère et qu'il ne pleut que sur les cons, donc je dois l'être énormément. Donc vous avez l'entrée ici du Cabaret Club. Donc maintenant on va aller voir si les patrons sont là. Il y a déjà du son là. Bah, Mathieu, là, le patron du cabaret qui doit préparer le show de ce soir. Donc, c'est bien qu'elle accueille, salut, ça va. Bon Mathieu, t'es à fond là pour ce soir, pour le spectacle de ce soir? C'est bon. Voilà, je vous montre un peu le matériel qu'il y a. Et puis la salle, bien sûr. Il y a combien de temps que tu as ouvert? En octobre, c'est ça. Et pourquoi? Ouais, mais t'étais là aussi l'ouverture, je te rappelle. Il paraît que j'étais là. Et avant, tu faisais quoi? Un petit peu avant, bah, dans l'événementiel. Et avant? Dans la musique. Et tu travaillais avant, quand ça avait un autre nom ici? C'est ça. Avant le Cabaret Club, c'était le Canotier. Quoi. Le Canotier. Et avant le Canotier? Le Don Quichotte. Le Don Quichotte. Voilà. Et donc toi, ton objectif, c'était de faire une troupe? Voilà, cabaret en donnant aux gens un petit peu une ambiance conviviale, spectacle, dîner, le tout mêlé dans une ambiance, quoi. Avec le personnel qui est sur scène, qui sert aussi les gens à table. C'est ça, oui. Voilà. On reprend l'esprit du Don Quichotte. Voilà. Bon, maintenant, on va aller en loge. Ah, éclairage magnifique. Je vais prévenir les filles que j'arrive. Parce que si je rentre et qu'elles sont pas en tenue adéquate, on va dire. Vous voyez là, on est sur scène. Et on rentre dans les loges. Hey, j'arrive les filles! Hey, c'est parti! Alors, c'est quoi votre parcours, les filles? Professeur de danse à Brest, danseuse au cabaret. La nuit. Hey, c'est quoi? Et ça s'appelle la nuit, juste la nuit. Hein. Et c'est quoi le nom d'école? Ça s'appelle The Dancing Moons. Les Dancing Moons. Les lunes qui dansent. Oh, c'est joli, ça fait très espace. Voilà. Et Maëlle? Et ben moi, la nuit, je suis chanteuse au Cabaret Club. Et le jour, je fais partie de la compagnie Les Beaux Jours en tant que comédienne, danseuse, chanteuse. Et je suis professeure de chant pour des adolescentes aussi. En plus, tu vois, je viens d'apprendre un truc. Ah, voilà. Je veux que t'étais... Hey, si? Tu vas m'apprendre à chanter? Oui. Ouais, là, c'est déjà... Bon, voilà, j'ai fini de me maquiller, je suis à moitié prêt. Ah, et je vous ai pas présenté une autre des danseuses de la troupe, Claire. Salut tout le monde. Alors tiens Claire, pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui te plaît au cabaret? Tout, hein, l'artistique, la troupe, tout ça, tout est chouette. Et t'es locale, t'es d'ici, du coin? De Brest. Ouais. De Brest? Ouais, c'était pas prévu, moi je fais pas de danse, enfin j'en faisais à côté, mais c'est pas mon métier Et voilà, on m'a donné ma chance ici, donc voilà, c'est que du bonheur. Tu faisais de la danse classique? Classique contemporaine. Donc voilà, et là j'apprends plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est chouette, c'est qu'on mélange toutes les disciplines et voilà, donc on apprend tous les jours. Donc c'est super chouette. Oh, c'est génial. Et tu sais quoi? Je vais aller voir quelqu'un en cuisine. Ouais. Que tu dois connaître. Je connais bien, oui. Bon bah on part en cuisine, salut Claire. Je vais faire des grands pas parce qu'ils viennent de passer la serpillière par terre. Je vais me faire engueuler par la patronne. D'ailleurs, elle est là. Voilà, Christelle. Bonjour. Donc, Christelle, ton rôle ici, c'est quoi? Un peu tout. La question qui tue, vachement ouverte. Un peu tout. Je fais la vaisselle, je fais la cuisine aussi. Ouais. Ouais. Et donc, on va aller en cuisine. Tiens, bonjour Alain. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vous reconnais, vous êtes passé à la télé il y a pas longtemps. Ah oui, pareil. Ah, passé à la télé. Bah, incroyable. On a le chef. Incroyable tout simplement. Le chef Anthony, bien sûr, qu'on remercie à chaque fois, Alain également.
Et puis le reste de la cuisine, avec des petites lampes qui chauffent et tout. Et ce soir, vous nous faites quoi? Ce soir, on fait un bon repas. Un bon repas. Alors ça, ça c'est une réponse. À découvrir. Hein, c'est une réponse de Normand. Ah, tu nous as fait quelque chose, Anthony? Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà la petite base de notre mise bouche de ce soir. Ok. On verra la suite plus tard. On verra la suite plus tard. Et maintenant, on va passer de l'autre côté, au grill. Alors là, ils sont en train de préparer des... on est un peu dans le noir, on est un peu dans le sombre, hein, Mathieu? On est un petit peu dans le noir, oui. Tu nous montres le grill? Ouais. T'as le temps? Non. Ah bah c'est pas grave, non. On le prend. En 30 secondes, c'est fait. Allez. Allez, lumière, lumière. Donc on avance comme ça. Donc voilà le grill de la côte, avec donc une salle ici pour accueillir 80 couverts environ. Et donc voilà toute l'installation qu'on a faite ici pour cuire... tous les aliments au charbon de bois. Devant les clients. Voilà, devant les clients, ici directement. Donc là, c'est ça, ici, avec la super hotte. Le grand barbecue, la hotte, le comptoir et tout l'aménagement qui va avec. Il y a même un mini-golf à l'extérieur. C'est rigolo ça. Et puis le reste de la salle, je me tourne comme ça avec le comptoir, tout pour l'accueil des gens. Donc il y a deux entités, il y a le grill du cabaret qui est ouvert tous les jours. Le grill de la côte, pardon. Voilà, du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Tous les midis et les vendredis, samedi et dimanche soir. Voilà. Et le cabaret club. Et le cabaret qui lui est ouvert les week-ends, principalement le samedi soir pour les soirées cabaret. Voilà. Donc on a fait le tour. Oh, et donc le maquillage que je me suis mis. On a fait le tour. Et ben sur ce, je vous remercie. Et puis, show must go on. Moi, je vais aller me préparer en loge, réviser mon texte. Et puis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.